بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Nous sommes toujours avec le hadith de Abdullah ibn Abbas qu'il rapporte sur Abu Sufyan radiallahu anhuma. Lorsque je dis radiallahu anhuma, ça veut dire sur Abdullah ibn Abbas et Abu Sufyan. Et on était arrivé au moment où Abu Sufyan, en présence de Héraclius et en présence des conseillers de Héraclius, les conseillers de guerre et les conseillers religieux, avait répondu à une série de questions. Et ensuite, Héraclius a demandé à ce qu'on ramène la lettre qu'il a reçue du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part de Dihya ibn Khalifa al-Kalbi. Et donc il a demandé à son interprète de lire la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a parlé un petit peu de cette lettre. Ensuite Abu Sufyan a dit, à la lecture de la lettre, un grand tumulte se produisit dans l'assemblée et des cris violents retentirent, exprimant une indignation des présents contre le fait de donner de l'intérêt à cette lettre. Donc dès qu'ils ont entendu parler de cette lettre et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui invitait Héraclius à embrasser l'islam pour sauver déjà sa personne dans l'au-delà et pour aussi avoir la récompense d'ici-bas pour être converti à l'islam et la récompense d'avoir cru aussi en Jésus, ou bien avoir la récompense personnelle et la récompense de ceux qui allaient le suivre, qu'il a appelé l'Arisiyin. L'Arisiyin fait référence aux agriculteurs. Donc c'est à partir de là que Abu Sufyan va dire, on nous fit alors sortir, et pendant que nous sortions, je dis à mes compagnons, les affaires d'Ibn Abi Kabsha ont pris de l'importance puisque le prince des Banu al-Asfar le redoute. On fit sortir les marchands pour qu'ils ne soient... Donc pourquoi il a fait sortir Abu Sufyan ainsi que ses compagnons? C'est pour qu'ils ne soient pas témoins de ce tumulte-là, qu'il ne soit pas témoin de ce qui allait arriver. Puisque là, il y avait une tension entre Héraclius, qui était au fond de lui convaincu de la prophétie de Mohammed, mais il y avait aussi la pression de son entourage, de sa cour, qui n'aimait pas justement cette manière de réagir et n'aimait pas à ce qu'il embrasse l'islam. Et donc c'est là où allait éclater justement une grande tension, et il ne voulait pas que Abu Sufyan et les siens soient témoin de cela. Et donc c'est pour cela qu'on les a mis de côté. Et regardez cette remarque de Abu Sufyan, il a dit, à l'époque déjà, j'ai dit à mes compagnons les affaires d'Ibn Abi Kabsha. De qui il parle? Ibn Abi Kabsha, ça c'était le surnom que les Qurayshites donnaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il refusait de l'appeler Muhammad, parce que si tu l'appelles Muhammad, ça veut dire celui qui est béni. Il y a min al-hamd. Muhammad, ça vient de l'hamd. Ahmed, ça veut dire c'est celui qui loue Allah. Mohammed, c'est celui qui est béni par Allah. Donc eux, justement, ils voulaient lui lancer des sobriquets pour ne pas l'appeler avec son vrai prénom. Et donc, ils le surnommaient Ibn Abi Kabsha. Pourquoi d'ailleurs ce surnom? Ils pensaient bien entendu le rabaisser avec ce surnom. Ils auraient pu dire Ibn Abdillah, Ibn Abd al-Muttalib par exemple. Mais Ibn Abi Kabsha, elle fait référence, Abu Kabsha fait référence au mari de Halima. Halima, la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la tribu de Banu Sa'd. Elle s'appelle Halima bint Abi Dhu'aib. Et donc son mari s'appelait, son vrai nom c'est Al-Harith ibn Abd al-Uzza ibn Rifa'a al-Sa'di. Et on le surnommait Abu Kabsha. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu quelques mois chez lui pour que sa mère, que sa femme Halima le nourrit et l'allait, c'était la tradition à l'époque. Donc il le surnommait le fils de Abu Kabsha. C'est pour le rabaisser, puisque Abu Kabsha, donc le Harith, c'était des gens, des bédouins qui étaient pauvres, qui n'habitaient pas à la Mecque, donc ils habitaient loin de la Mecque, dans une campagne. Et c'est en nourrissant justement des fils de notables, des enfants de notables, qu'ils recevaient un peu d'argent. Et vous connaissez l'histoire qui rapporte que Halima et son mari
n'avaient pas de bétail, même leur chèvre, la chèvre qu'ils avaient ne pouvait même pas donner de lait, ils étaient très pauvres. Donc là, c'est pour cela qu'ils le surnommaient ainsi. Et juste pour information, l'Harith, donc Ibn Abd al-Uzza, il s'est converti à l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est même venu à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: je te prendrai de ta main et je te ferai personnellement entrer au paradis. Ça a beaucoup ému al-Harith, et cet homme là avec Halima radiallahu anha, parce qu'elle aussi s'est convertie, avait 3 enfants. 2 parmi eux se sont convertis à l'islam. Il y avait Abdullah ibn al-Harith al-Sa'di, et il y avait al-Shayma ibn al-Harith al-Sa'di, elle aussi se convertit à l'islam. Il y avait une troisième fille qui s'appelait Unaysa, mais on n'a aucun récit la concernant depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prophétie. Donc on ne sait pas est-ce qu'elle s'est convertie, est-ce qu'elle était morte. Donc il n'y a aucun récit qui parle d'elle, mais on a des récits qui parlent de Abdullah et de al-Shayma, ainsi que de leurs parents Halima et al-Harith radiallahu anhu majma'in. Alors, pour d'autres savants, ils disent que les Quraysh surnommaient ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abi Kabsha, en référence au père de Halima. Donc toujours pour le rabaisser, au père de Halima. Et d'autres disent que c'est en référence à son arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du côté maternel, du côté de sa mère. Et d'autres disent que c'est son arrière-grand-père du côté maternel de Abd al-Muttalib. Autrement dit, ils essaient de chercher dans la filiation du prophète sallallahu alayhi wa sallam quelqu'un qui ne serait pas d'une grande notoriété pour justement lui donner un surnom qui se rapporte à ce personnage. Mais le plus probable, c'est que ce surnom-là, il le donnait par rapport au mari de Halima, radiallahu anha. Et donc, Abu Sufyan, il a dit... puisque le prince des Banu al-Asfar le redoute. Pourquoi il l'appelle le prince des Banu al-Asfar? Il fait référence, bien entendu, à Héraclius. Banu al-Asfar, ça veut dire les enfants du jaune. L'Asfar, c'est jaune, et Banu, ça veut dire les enfants ou les fils. Donc Abu Sufyan faisait référence donc aux Romains, car leur grand-père, qui s'appelle Rum ibn Is ibn Ishaq, c'est pour ça qu'on les appelle Romains, les Romains, Rum. Donc leur grand-père, il s'appelait Rum ibn Is ibn Ishaq. Il s'était marié à l'époque avec la fille du roi de l'Abyssinie, la fille du Négus de l'Abyssinie de son époque. Et ils ont donné naissance à un fils qui était métis. Et c'est pour ça qu'on l'a qualifié de jaune. C'est entre une peau noire et une peau blanche. Et certains, donc ça c'est le plus probable, et certains disent que c'est parce que sa grand-mère lui avait porté des bijoux en or. Dès qu'il est né, il lui a porté des bijoux en or. C'est pour cela qu'on l'a appelé Al-Asfar. Et donc toute sa descendance, y compris Héraclius, on les appelait Banu Al-Asfar. Et ensuite, regardez cette remarque de Abu Sufyan radiallahu anhu. Il a dit: et depuis ce jour-là, jusqu'au moment où Allah m'imprégna de l'islam, je demeurai convaincu du succès de Mohammed. Et ça, c'est un aveu très important qui prouve que déjà à l'époque où Abu Sufyan n'était pas encore converti à l'islam, il était convaincu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique et que c'est un messager de Allah azza wa jalla. Parce que là, il a entendu de ses propres oreilles le témoignage de Héraclius lorsqu'il a dit: si ce que tu dis est vrai, les témoignages que tu as apportés sur Mohammed sont vrais, cet homme-là va régner sur l'endroit qui est en dessous de mes pieds. Et je savais que c'est un prophète. Et je savais que c'est un prophète parce que, comme on l'a dit, Héraclius était versé dans la théologie chrétienne. Il connaissait très bien les livres. Et ceci, justement, prouve ce que disait Allah Azza wa Jalla dans le Coran: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Ils nièrent nos signes injustement, faisant référence au Qurayshite, et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils croient avec certitude. Et beaucoup de gens sont dans ce même schéma. Au fond d'eux, ils savent que cet islam, c'est la religion de Dieu, mais par orgueil, justement, ils ne veulent pas y adhérer, ou par parfois intérêt personnel, ils ne veulent pas y adhérer. Et donc là, regardez même Abu Sufyan, le fait de dire: j'ai dit l'affaire de Ibn Abi Kabsha, là, il l'a dit pendant qu'il était musulman, s'est converti à l'islam.
Et donc, il n'a pas caché cette vérité, qu'il a quelque part piqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qui prouve sa véracité, il rapporte les choses telles qu'il les a, telles qu'elles se sont passées. Donc, il n'avait aucun intérêt à mentir sur cette affaire-là. Ensuite, donc, le narrateur, et le narrateur ici, c'est Ibn Shihab Zuhri. Parce que dans la chaîne de transmission, elle passe par Ibn Shihab Zuhri, Ad, elle passe par Abdullah ibn Abbas, et ensuite elle passe par Abu Sufyan. Donc Ibn Shihab a dit: وكان ابن الناظور صاحب إلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. Donc Ibn Shihab donc rapporte Ibn al-Nadhur, et selon une autre version rapportée aussi sur l'imam al-Bukhari, c'est écrit Ibn al-Nathur avec ta, et non pas avec va. Ibn al-Nathur, Ibn al-Nadhur. Donc il y a certains élèves de l'imam al-Bukhari qui ont rapporté Ibn al-Nadhur et d'autres Ibn al-Nathur. Et ça, c'est ce qu'on appelle tasrif, c'est des erreurs qui peuvent parvenir dans l'écriture. Et comme vous savez que la ponctuation, un seul point peut changer le sens. Nador, Nator. Comme on rapporte dans la blague, c'est quelqu'un qui était en train de réciter des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit: Al-Hayyatu Sauda, Shifa'un min kulli da. Le cobra noir, ou le serpent noir, est une guérison pour toutes les maladies. Et il y avait il expliquait: donc il faut prendre le serpent noir, c'est bien de le manger parce que ça guérit toutes les maladies. Et il y avait quelqu'un qui connaissait, un imam qui était assis, il lui a dit: donne-moi le papier sur lequel tu lis. Il lui a donné le papier, il a gratté un petit peu sur le mot Al-Hayya. Et un petit point qui était tombé là-bas, il s'est décroché. Après, c'est devenu Al-Habbatu Sauda, Shifa'un li kulli da. C'était peut-être une mouche qui a mis un petit point là-bas. Et donc, lui, il la lisait Al-Hayyatu Sauda. D'où l'importance, comme on dit, de détenir le savoir de la bouche directement des savants, puisqu'on ne tombe pas dans ce genre d'erreur. Donc Ibn al-Nadhur, gouverneur de Ilia, ami d'Héraclius et évêque des chrétiens. Donc trois titres, il a cité par trois qualificatifs. Il était gouverneur de Ilia, ami d'Héraclius et était aussi évêque des chrétiens de Syrie. Raconte ce qui suit. Donc là, c'est pour confirmer ce qu'a rapporté Abu Sufyan radiallahu anhu. Donc il dit Héraclius, et lui il est chrétien, donc il n'a rien à voir avec le musulman. Héraclius de passage à Ilia, donc là il parle de certaines circonstances qui sont arrivées pour nous compléter justement le récit. Héraclius de passage à Ilia se leva un matin de fort méchante humeur. Un de ses patrices lui dit alors: nous voyons avec peine que tu n'as pas ton air accoutumé. Tu n'es pas dans ton assiette, comme on dit. Qu'est-ce qui t'arrive? Ibn al-Nadhur ajouta que Héraclius, qui était devin et qui observait les astres, donc c'était aussi, il s'adonnait à l'astrologie et était devin, donc il devinait certaines choses, répondit à cette observation qu'on venait de lui faire cette nuit, il dit: cette nuit, en regardant les astres, j'ai vu que l'avènement du prince des circoncis venait d'avoir lieu. Alors c'est pas l'avènement ici, c'est le triomphe. Ça veut dire qu'il a triomphé, c'est ça la bonne traduction. Donc cette nuit, en regardant les astres, j'ai vu que le prince des circoncis venait de triompher.
quelles sont donc les nations actuelles qui pratiquent la circoncision, puisque les chrétiens ne pratiquent pas la circoncision. Alors ils vont lui répondre, les juifs seuls. C'est comme ça que lui ont répondu ses courtisans. Les juifs seuls pratiquent la circoncision. N'aie donc pas la moindre inquiétude à leur sujet. Écris dans toutes les villes de ton royaume pour ordonner qu'on mette à mort tous les juifs qui s'y trouvent. Donc ils lui disent, d'ailleurs, rien à craindre des juifs parce qu'ils sont peu nombreux, ils n'avaient pas de poids. Donc c'est que eux qui se circoncis par rapport aux informations qu'ils avaient, eux. Et donc il n'y a qu'à demander à ce qu'on les tue et tu n'auras pas de problème. C'est exactement comme ce qui s'est arrivé avec Pharaon lorsqu'il a vu que son royaume va être pris par un enfant de Banu Israël. C'est comme ça qu'il a commencé à tuer les garçons de Banu Israël une année sur deux. Il en était là de leur conciliabule quand se présenta à Héraclius un messager du prince de Rassène, chargé d'annoncer à l'empereur l'apparition du prophète. Après avoir interrogé ce messager, Héraclius dit à ceux qui l'entouraient, « Allez examiner cet homme, c'est-à-dire à ce messager qui est venu, allez examiner cet homme et voyez si oui ou non il est circoncis. » L'examen terminé, il déclara à Héraclius que le messager était bien circoncis. L'empereur lui ayant alors demandé si les Arabes étaient circoncis, et la réponse ayant été que oui, il s'écria, « Ce que j'avais vu, c'était donc l'avènement au pouvoir du roi de ce peuple. » Ça veut dire du peuple arabe. Alors expliquons maintenant ce passage. Donc comme j'ai dit, c'est l'imam Zuhri qui rapporte ce récit de Ibn al-Nadhur, et qui était donc le gouverneur de Ilia, comme le dit le récit, l'ami de Héraclius et l'évêque des chrétiens de Chem. Et donc cet homme a rapporté un événement qui s'était produit juste avant la rencontre entre Héraclius et Abu Sufyan. Donc ça, c'était juste avant. Héraclius donc était devin, il observait dans les astres, c'est pour ça qu'on l'appelle Hazza'an, ça veut dire il voyait dans les astres et devin. Une activité qui, bien entendu, peut se baser sur une interaction entre l'homme et le djinn. Comme vous avez dit, djinn qui essayait d'entendre ce qui se passe dans le ciel, les discussions qu'il pouvait y avoir entre les anges, et donc à partir de ces discussions, il pouvait voler une petite information et lui rajouter, bien entendu, des surplus et commencer à deviner certaines choses. Et ça, comme vous le savez, c'est une activité qui est interdite en islam. Mais en tout cas, Héraclius s'adonnait à cette pratique. Donc peut-être que, avec les contacts qu'il pouvait avoir, avec cette activité-là, il a reçu cette information d'un djinn qui lui dit le triomphe, aujourd'hui a eu lieu le triomphe du prince des circoncis. Et là, certains savants disent pourquoi l'imam al-Bukhari rajoute cette information-là. Déjà, l'imam al-Bukhari la rapporte sur l'imam al-Zuhri. Et c'est pour dire quelque part qu'il s'agisse des humains ou des djinns, tout le monde s'accordait à dire que c'est l'époque où le prophète tant attendu, le dernier prophète tant attendu, est apparu. Alors, ces courtisans pensèrent qu'il s'agissait des juifs, comme c'est dit dans le récit, et que ces derniers n'avaient aucun pouvoir et qu'il convenait donc d'ordonner de les tuer. Et justement, la divination d'Héraclius, elle concordait avec un événement qui venait d'arriver aux musulmans à cette époque, c'était la signature du pacte de l'Hudaybiya que Allah Azza wa Jal a qualifié de l'Fath. Et surat al-Fath a été révélée là. « Inna fatahna laka fathan » Moubina, c'est une sourate qui a été révélée juste après sur l'Hudaybiya, avant même la conquête de la Mecque. Et Allah Azza wa Jal a considéré le sur l'Hudaybiya comme une victoire, comme un fath. Alors que, et il a annoncé le vrai fath qui allait venir, celui de la Mecque. Et donc, quelque part, la divination de Héraclius concordait avec ce qui venait d'arriver. Alors, c'est dans ces circonstances, donc, que le prince de Rassan, qui s'appelle Al-Harith ibn Abi Shamr, envoya Adi ibn Hatim avec la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé la lettre avec Dihya al-Kalbi, Dihya ibn Khalifa al-Kalbi. Il l'a envoyé au roi, au prince de Rassan, parce que c'est par son biais qu'il peut accéder à Héraclius.
Al-Harith ibn Abi Shamr ayant reçu la lettre avec Dihya, c'est là où il y a divergence, enfin divergence, il y a des récits qui un petit peu ne sont pas, sont imprécis. Est-ce que Ghassan, donc le roi du Ghassan, a envoyé que la lettre avec Adi ibn Hatim? Adi ibn Hatim, c'était un arabe qui était chrétien, mais plus tard il allait se convertir à l'islam, ça on l'a déjà cité. Donc soit il a envoyé la lettre qu'avec Adi ibn Hatim, et pour d'autres récits, il disait il a envoyé la lettre avec Adi ibn Hatim accompagnant Dihya al-Kalbi. Et donc dans certains récits on trouve que Dihya a rencontré Héraclius, et dans d'autres récits on ne parle pas, c'était un émissaire qui a été envoyé par le roi de Ghassan. Donc c'est pour cela qu'il y a une petite imprécision à ce niveau-là. Et donc lorsque c'est là où la lettre est arrivée par cet arabe-là, qui est Adi ibn Hatim, et qui était chrétien à l'époque. Et c'est là où Héraclius, il leur a dit, commencez par vérifier si cet homme-là, cet arabe-là, est circoncis ou pas. Donc, Ibn Ishaq, dans sa sira, il dit, on a dévêtu Adi ibn Hatim. On l'a dévêtu pour vérifier. Et ils sont revenus donc voir Héraclius pour lui dire, bah oui, justement, il est circoncis. Et là, il lui a posé la question, est-ce que vous êtes tous circoncis? Il lui a dit, oui, tous les Arabes sont circoncis. Et ça, c'était une tradition qui a perduré depuis l'époque de Ibrahim alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que Ibrahim alayhi salam s'est circoncis à l'âge de 80 ans. À 80 ans. Avec le qaddoum, le gadouma, on l'appelle le gadouma. C'est un outil avec lequel on coupe. Donc à l'âge de 80 ans. Et cette pratique-là est restée chez les Arabes. Même s'ils étaient polythéistes, ils ont maintenu cette pratique. Mais cette pratique, et elle était chez les Juifs, bien entendu. Mais les chrétiens n'ont pas hérité de cette pratique. Il y a des chrétiens qui étaient monothéistes, qui croyaient que Mohammed, que Isa alayhi salam n'était pas le fils de Dieu. Ça, ça a existé. Et d'ailleurs, ils sont rejetés par l'Église. Ils ont été rejetés toujours par l'Église, mais cette frange existait. Et eux, donc, ils pratiquaient aussi la circoncision. Et ils respectaient certaines pratiques qui étaient chez, à la lettre, qui étaient chez les Juifs. Mais avec, au cours du temps, cette frange-là a disparu au cours de l'histoire. Alors, lorsque Héraclius apprit que les Arabes se circoncisaient, il s'écria, « Ce que j'avais vu, c'est donc l'avènement au pouvoir du roi de ce peuple. » Ça veut dire du peuple arabe et non pas du peuple juif. Ensuite, donc, Ibn Nadhur continue en disant ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمصة ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم طلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أخبر بها أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل. C'est ainsi donc que le hadith de ce septième hadith se termine. Et ensuite le Bukhari a dit رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. Là c'est ce qu'on appelle mutaba'at. Rappelez-vous, dans l'introduction on a dit le mutaba'at, c'est que parfois le Bukhari, c'est une chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou jusqu'à un compagnon, et ensuite il ramène une deuxième chaîne qui se croise avec celle-ci. Ici par exemple il a croisé une deuxième chaîne juste avec Zuhri, jusqu'au Zuhri, et là c'est ce qu'on appelle al-mutaba'a. Et certains considèrent al-mutaba'a comme un hadith supplémentaire, ils le comptabilisent comme un hadith supplémentaire. Alors donc la traduction, ensuite il écrivit, donc c'est Hirakh. Ensuite, il écrivit à un de ses amis, dont la science égalait sa science, la sienne, et qui habitait Rome,
Puis il se mit en route pour Hems, pour Hems. Il n'était pas encore arrivé dans cette ville qu'il reçut de son ami, dont son ami de Rome, une lettre qui confirmait l'idée qu'il avait eue de l'avènement de Mohammed et du caractère prophétique de sa mission. Alors Héraclius convoqua tous les grands personnages grecs dans la grande salle intérieure de son palais d'Hems. C'est ce qu'on appelle Daskara. Daskara, c'est comme un palais entouré de plusieurs maisons. Et donc il en avait un à Hems. Et après en avoir fait fermer les portes, il se plaça dans un endroit élevé et dit: « Peuple grec, désirez-vous le bonheur? Voulez-vous être dans la voie droite et conserver votre suprématie? Eh bien, prêtez serment de fidélité à ce prophète. » En entendant ces mots, les Grecs, avec la furie d'ânes sauvages, se ruèrent vers les portes, mais ils les trouvèrent fermées. Désespérant alors de les amener à la foi, Héraclius donna l'ordre de ramener tout le monde devant lui et dit: « Le discours que je viens de vous tenir n'avait d'autre but que d'éprouver la force de votre attachement à votre religion. Maintenant, je suis édifié. » Les Grecs se prosternèrent aussitôt devant lui et lui marquèrent leur satisfaction. Ainsi finit cette aventure de Héraclius. Donc, suite à cet événement, après donc avoir reçu donc la vision qu'il a faite, après avoir vu Abu Sufyan, donc Héraclius écrit à propos de cette nouvelle à un ami. Alors c'est là où il y a l'identité de cet ami. Là, il y a d'autres récits qui vont nous en donner un peu plus d'informations. Et donc il lui écrit pour lui dire: voilà, qu'est-ce que tu en penses? Parce que lui, c'était une grande référence religieuse chez les chrétiens de l'époque. Et lui, donc, il quitta Jérusalem pour revenir à Hems, puisque lorsqu'il a mené sa campagne militaire pendant ces dernières années-là, c'était Hems qui était sa capitale, alors que lui, il est d'origine de Constantinople, de Istanbul actuel. Et donc, il est revenu à Hems, où il avait justement cette Daskara, ce palais dont parle le hadith. Et avant même d'arriver à Hems, il a reçu la réponse de son ami de Rome, qui l'informa que: je suis d'accord avec toi, cet homme est bel et bien un prophète et le prophète annoncé par nos écrits. Alors selon Ibn Ishaq, donc là c'est la sira de Ibn Ishaq qui va nous donner le complément, Héraclius en fait avait envoyé Dihya pour rencontrer un docte à Rome qui s'appelait Dorater. On l'appelle Dorater al-Osqof. L'Osqof, ça veut dire l'évêque. Et là, ils disent, donc Ibn Ishaq, lui, il dit qu'il a envoyé, pas une lettre, mais il a envoyé Dihya. Dihya, c'est lui qui est le compagnon qui a été envoyé par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour ramener la lettre. Donc, il se peut que lorsqu'il a reçu la lettre, donc c'était Dihya qui l'a ramené, il l'a lu, et ensuite, il lui dit: avec cette lettre-là, va à Rome, à la rencontre d'un ami à moi, pour lui parler de l'affaire de ton prophète. C'est comme si Héraclius voulait convaincre quelques sommités de la véracité de prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin justement que tout le monde puisse se convertir à l'islam d'une manière collégiale. Mais comme vous allez voir, il a échoué dans cette tâche. Donc ce que rapporte Ibn Ishaq, c'est que Dihya a rencontré cet évêque qui s'appelle Dorater. Et après un échange entre les deux hommes, ce dernier a fini par embrasser l'islam. Il a dit: c'est le prophète qu'on attendait. Et donc, il lui a dit de revenir. Et lui, juste après, il a enlevé des vêtements noirs qu'il portait habituellement. Il s'est vêti de vêtements blancs et il est sorti à Rome devant les gens et leur a dit: voilà, j'ai l'information de l'arrivée d'un nouveau prophète et j'embrasse sa religion. Et là, les gens se sont rués contre lui pour le frapper à mort. Donc voilà ce que rapporte Ibn Ishaq dans son sira. Sauf que, bien entendu, il n'y a pas de chaîne de transmission sur laquelle on peut se baser pour confirmer ce récit. Mais c'est un supplément qui nous donnera une idée générale sur justement une certaine perturbation quelque part qui allait arriver pendant cette période-là. Alors, j'ai trouvé certains chercheurs musulmans qui prétendent que Dorater n'est autre que docteur, puisqu'on parlait justement à l'époque déjà du docteur en religion,
docteur, d'orateur, docteur. Voyez. Donc ils disent non, c'est pas un nom, mais c'est un titre. Et ça fait référence à une référence grande religieuse à Rome. Et donc pour ces chercheurs-là, cette référence, c'est le pape lui-même, qui s'appelait Honorius Ier, et qui est mort en l'an 638 de l'ère chrétienne. Et pourquoi d'ailleurs ils disent cela? C'est parce que justement ce pape-là, il pose un problème dans l'Église chrétienne. C'est qu'il a été renié par l'Église chrétienne. Il y avait même un concile, comme on va le voir, qui vont le considérer comme qu'il était un hérétique. Et c'est pour cela que, justement, certains chercheurs musulmans soupçonnent que Honorius était ce dorateur qui a rencontré Dihya et qu'il serait converti à l'islam et que c'est peut-être sur cela, pour cela qu'il a été mort. Eux, ils parlent de sa mort en l'an 638. Là, on se situe, pendant cet événement, enfin, la rencontre entre Abu Sufyan et Héraclius se situe autour de 629 de l'ère chrétienne, 629. Ça veut dire 9 ans avant qu'on annonce justement la mort de Honorius. Donc de deux choses l'une. Dire que c'est à la période où Héraclius a reçu Abu Sufyan, il a envoyé à Honorius, ce n'est pas possible parce que Honorius est mort 9 ans après. À moins qu'il y ait eu une autre rencontre entre Héraclius et Dihya. Peut-être qu'au départ, il a reçu seulement le message du prophète Sarasme, que la lettre qu'il a lue et tout ça. Après, il a commencé son enquête. Il a rencontré Abu Sufyan, parce que là, il continue dans son enquête. Peut-être qu'après là, il a demandé à rencontrer directement Dihya, plusieurs temps après. Et Dihya, donc, dans ce cas, il l'a envoyé à Rome. C'est possible aussi. Et que Honorius a commencé à faire des recherches avant de se convertir plus tard à l'islam. Donc c'est quelque chose qui reste à vérifier. Néanmoins, la chose dont on est certain, et ça je l'ai trouvé même dans les écrits des catholiques, c'est qu'il y avait un grand débat à cette époque entre les grandes autorités religieuses des chrétiens à l'époque sur la nature de Jésus. Parce que cette question-là, cette thématique, la nature de Jésus, c'est quelque chose qui a commencé depuis le deuxième concile à 180 de l'ère chrétienne. C'est là où on a établi que la question de la Trinité. Avant 180, on ne parlait pas de Trinité. Donc la Trinité, les textes ne parlent pas de la Trinité, absolument pas. C'est des prêtres qui ont justement intégré ou bien qui ont forgé cette notion-là. Et depuis, il y a eu toujours ce grand débat sur la nature de Isa alayhi salam. Est-ce qu'il est composé de trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Quelle est la hiérarchie entre les trois qui est au-dessus de l'autre, ou est-ce qu'ils sont au même niveau? Donc pour la Trinité, ils sont au même niveau, mais ils sont trois en un. Et c'est là où on trouve une difficulté à expliquer ce qu'ils veulent dire. Mais en tout état de cause, en cette même période, il y a eu un grand débat qui a ressurgi une deuxième fois. Ce qui prouve qu'il y a eu une influence de la présence de l'islam à cette époque, puisque l'islam va ramener des textes qui vont parler de la nature réelle de Isa alayhi salam, qu'il n'est qu'un serviteur d'Allah azza wa jalla, qu'il n'est qu'un être humain. Kalimatullah alqaha ila Maryam. Et donc c'est à partir de là qu'il y a eu justement ces va-et-vient. Et c'est ce qui prouve qu'Honorius aussi a dû forcément avoir un contact avec des musulmans, et c'est ce qui a lancé justement ce grand débat. Et d'ailleurs, le patriarche de Constantinople, qui s'appelait Serge, il était soutenu par Héraclius. Et comme on a dit, Héraclius, lui aussi, il était versé dans la science religieuse. Et donc, tous les deux étaient d'accord sur une nouvelle doctrine, ou bien une nouvelle vision, ou une nouvelle opinion concernant justement cette affaire de la nature de Isa alayhi salam, ce qu'ils ont appelé le monothélisme. Le monothélisme. Alors, je vous avoue que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre la conception des chrétiens face à cela, mais si eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils disent, ce n'est pas nous qui allons comprendre. Donc, voilà. Donc alors, le monothélisme, c'est quoi cette notion-là? Ils disent que Jésus a une seule volonté, une volonté qui est mélangée, c'est une volonté divino-humaine en même temps. Alors que la notion de l'Église officielle,
bien le concept de l'Église officielle, c'est que Jésus a deux volontés distinctes, une divine et une humaine. Donc on va dire, mais c'est quoi la différence? Donc déjà, il parle des deux en même temps. Mais en tout état de cause, il y a forcément des nuances dans ces discours-là, dans ces questions philosophiques, bien entendu, qui prouvent justement qu'il y a eu... Et c'était très tendu, puisque Serge, donc le patriarche de Constantinople, a écrit une lettre à Honorius. Et il l'a convaincu de cette opinion. Et d'habitude, dans l'histoire, il y avait toujours une séparation entre l'Église romaine et l'Église byzantine et l'Église d'Orient. Même, par exemple, en Égypte, ils avaient un autre concept. En Abyssinie, ils avaient un concept qui se rapproche plus du vrai monothéisme. Dans la région de la Syrie, un autre concept. Alors, eux, ce que disent les chrétiens, c'est que Héraclius a voulu rassembler tout ce monde-là, et c'est comme ça qu'il a forgé cette nouvelle opinion qu'il a appelée monothélisme, et il a réussi à en convaincre Serge, et Serge a écrit à Honorius, et il l'a convaincu de cette notion, et Honorius a adopté cette notion-là en tant que vision officielle de l'Église romaine, donc même à Rome. Et c'est pour la première fois qu'il y a eu ce rapprochement entre Constantinople, l'Église donc orientale, et l'Église romaine. Et c'est en 681, donc plusieurs temps après, que un concile a eu lieu, le troisième concile de Constantinople, et qui va condamner officiellement cette doctrine, et il a jeté l'anathème sur Serge, ainsi que sur le pape Honorius, et même sur Héraclius. Et c'est le seul pape, il est donc de l'Église romaine, qui a été justement considéré comme un hérétique, alors que eux, ils considèrent les papes comme des saints. Et c'est la première fois où on a dit, le saint, justement, peut se tromper, et peut commettre une hérésie, et ils étaient contre Honorius. Et vous trouverez justement même l'énoncé de ce concile qui a duré pendant une année. Donc c'est un groupe de grandes références qui se réunissent sur plusieurs thématiques et après ils sortent avec une déclaration. Et dans cette déclaration-là, là, ils avaient jeté l'anathème sur le patriarche de Constantinople ainsi que sur le pape. Et ensuite, suite à la mort d'Honorius, il y a d'autres papes qui sont revenus pour rétablir la vision officielle chrétienne qui dure jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des secrets, bien entendu, qui sont bien gardés concernant cette période-là. Et là, ça prouve qu'il y avait un vrai problème. Et lorsqu'on a ce récit sur Héraclius, ça montre que la présence de l'islam, l'apparition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a provoqué un vrai tremblement doctrinal chez les grandes références religieuses des chrétiennes à l'époque. Alors, suite à la réponse de l'évêque, Héraclius convoqua ses conseillers dans un palais à Emès. Il prit soin de fermer toutes les portes, donc dans son palais, pour assurer donc la confidentialité de la réunion. Parce que si quelqu'un échappait de la réunion, il risque de mettre au courant le peuple. Et là, c'est la révolution. D'autant plus que vous savez l'influence qu'avait l'Église sur le peuple. Et donc, il a réuni tout le monde et il leur a déclaré ceci. « Peuple grec, désirez-vous le bonheur ?» Donc, il parle du bonheur d'ici-bas et de l'au-delà. « Voulez-vous être dans la voie droite et conserver votre suprématie ? Eh bien, prêtez serment de fidélité à ce prophète. Voilà. » Et donc le hadith continue. « En entendant ces mots, les Grecs, avec la furie d'ânes sauvages, se ruèrent vers les portes. » Ils voulaient quitter le palais. Mais ils les trouvèrent fermées. Alors, pourquoi bon, ils ont couru vers les portes ? Parce que là, ils voyaient qu'au fur et à mesure, Héraclius insiste sur cette affaire-là, et qu'il est convaincu. Donc, il n'y a même pas lieu de discuter avec lui. Donc, ils ont voulu quitter le palais pour aller en faire part au peuple qui, forcément, allait les soutenir contre Héraclius. Donc là, c'est comme une révolution qui allait se préparer contre Héraclius. Mais lui, il avait déjà pris soin de fermer les portes. Et donc, c'est là, lorsqu'il a vu leur réaction, il se rattrapa. Donc, le hadith dit, « Désespérant alors de les amener à la foi, Héraclius donna l'ordre de ramener tout le monde devant lui. » Comme ils ne pouvaient pas sortir, « Ramenez-les devant moi. » Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit ? Il leur a dit, « Le discours que je viens de vous tenir
n'avait d'autre but que d'éprouver la force de votre attachement à votre religion. Je voulais seulement vous tester, parce que j'avais peur que ce prophète vous influence. Donc maintenant, je suis édifié, je suis rassuré que vous tenez bien à votre religion. Donc c'était moi votre... Je vous testais uniquement. Et c'est là où ils se sont prosternés devant lui, et donc l'affaire a été étouffée. Et donc dans le hadith, il dit « Ainsi fini... » donc c'est l'imam Ibn Shihab Zuhri qui parle. Ainsi finit cette aventure de Héraclius. Donc, comme on peut le constater, Héraclius, donc, sous la pression de sa cour et de ses conseillers, il privilégia son règne par rapport à la conversion, mais il était persuadé, au fond de lui, du triomphe qu'allaient avoir les musulmans dans un avenir proche. Et d'ailleurs, même les écrits des historiens aujourd'hui, des historiens qui sont neutres, même des chrétiens et tout, ils disent, mais pourquoi Héraclius n'a-t-il pas mener une offensive très forte contre les musulmans. Ils disent qu'il était un peu mou dans l'affrontement des musulmans. Comment se fait-il que les musulmans, qui n'étaient pas très nombreux, ont réussi à s'emparer de tous les pays qui étaient colonisés par Héraclius à l'époque? Et lui, il a capitulé et il est revenu à Constantinople. Et il ne s'engageait plus à partir de ce moment-là, il ne s'engageait plus lui-même individuellement dans les combats. Alors que juste avant, il était très engagé dans le combat contre les Perses. Personnellement, il participait au combat. Et là, il a commencé à envoyer son frère, ou à envoyer d'autres chefs, et lui, il se mettait au recul. Mais on va un peu donner quelques données sur la suite. Donc, suite à l'assassinat de Harith, ça je vous en ai parlé la semaine dernière, le professeur Asma avait envoyé un émissaire avec une lettre au roi de Bosra. Et il a été intercepté par le roi des Ghassanides, Shurahbil ibn Amr al-Ghassani. Il l'a tué. Donc c'est là où le prophète... C'est un acte grave de tuer un ambassadeur, c'était grave. Et donc c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé une armée de combattants pour affronter les Ghassanides. Et ces derniers donc ont appelé Héraclius pour les soutenir. Et Héraclius les a soutenus. C'est là où il y avait... Les musulmans, ils n'étaient que 3000, alors que les combattants et byzantins et rassanites étaient 120 000 personnes. Et c'est ce qui a donné lieu à la bataille de Mu'ta en Jordanie, qui s'est terminée par le retrait. Donc je vous en avais parlé. Le chef des musulmans était Zayd ibn Haritha, qui a été mort. Et ensuite, ce fut Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète Sarasim, qui a pris le relais. Lui aussi il a été assassiné. Ensuite c'était Hassan ibn Thabit qui a pris le relais, lui aussi il a été assassiné. Et c'est ensuite Khalid ibn Walid, la première fois que Khalid ibn Walid se met à la tête d'une armée musulmane. Et là il a eu une ruse, il a fait quelque chose d'extraordinaire, alors qu'il n'avait que 3000 personnes, il avait en face 120 000 personnes. Donc ce qu'il faisait comme ruse, c'est qu'à chaque fois il demandait au chef, parce qu'on portait déjà des drapeaux dans les guerres, on portait des drapeaux, on voyait les drapeaux. Donc lui il demandait à changer les drapeaux avec différentes couleurs, à changer les couleurs des drapeaux. Et certains musulmans faisaient semblant, enfin, ils quittaient un petit peu le champ de bataille, parce qu'ils étaient affrontés, les deux clans, ils étaient face à face, ils quittaient le champ de bataille, et ils revenaient en faisant remonter la poussière pour faire semblant que les musulmans sont en train de recevoir de l'aide. C'est d'autres combattants qui arrivaient. Et il faisait à chaque fois changer ceux qui étaient à droite, il les met à gauche, ceux qui étaient à gauche, il les mettait à droite. Donc l'autre, il vient, c'est de nouveau qui vient d'arriver. C'est de nouveaux étendards qui viennent d'arriver. Et donc, et au fur et à mesure, donc, Khalid ibn Walid, il attaquait. Et après, il commençait à reculer vers le désert, comme pour les piéger, comme pour faire donner semblant qu'il voulait piéger les Byzantins. Et les Byzantins ne les ont pas poursuivis, justement. Ils ont dit, on ne va pas tomber dans leur piège. Alors que Khalid ibn Walid a ordonné à ce qu'on se retire, parce qu'ils savaient que la bataille ne peut pas aller jusqu'au bout. Mais malgré cela, les musulmans n'ont perdu que 12 martyrs, alors que dans les rangs des Byzantins, on comptait 3350 morts. Et malgré ça, donc, mais les musulmans ont fui la bataille. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu hommage à Khalid ibn Walid, puisqu'il a dit, tu as sauvé les musulmans d'une défaite qui était certaine. Alors, entre 634 et 637 de l'ère chrétienne, Héraclius ne s'investit, comme je l'ai dit, il ne s'investit pas personnellement dans les campagnes militaires. En 636, qui correspond au 15 de l'Hégire, eut lieu la bataille de l'Yarmouk, pareil, en Jordanie.
Et ceci est arrivé pendant le khilafat de Omar ibn Khattab, prophète sallallahu alayhi wa sallam, 4 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette bataille était soldée par une cuisante défaite des Byzantins. Ils ont perdu 70 000 hommes. Et les musulmans ont perdu, certains disent 4 000, certains disent 6 000. Et donc là, cette bataille-là, Héraclius n'y a pas participé lui-même. Il a envoyé d'autres personnes pendant que lui, il est resté au recul. Et c'est là où beaucoup disent, mais pourquoi Héraclius n'a pas rassemblé toutes ses forces et tout ? C'est qu'il y avait un problème chez lui. Et même beaucoup d'historiens donc, reviennent sur cet épisode, ils disent, il y a eu quelque chose qui n'est pas normal pour que les Byzantins perdent, pour eux avec autant de facilité, mais c'est comme s'ils reniaient le courage des musulmans et l'aide divine apportée aux musulmans. Donc c'est alors qu'Héraclius fut obligé de se replier en Asie mineure. Il est resté dans un endroit parce qu'il ne pouvait pas accéder à Constantinople. Il avait peur de prendre la mer. Il avait 60 ans à l'époque, après. Il est resté un certain moment dans une ville, donc pas loin de Constantinople. Et plus tard, il prit la mer pour aller à Istanbul. Et c'est là qu'il mourut en l'an 641 de l'ère chrétienne. Donc voilà réellement comment se termina l'affaire d'Héraclius et de sa rencontre avec les musulmans par le biais de Abu Sufyan, par le biais de Dihya. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu qu'une seule rencontre, c'est qu'il y a eu deux ou trois rencontres, puisqu'on trouve des récits qui parlent de Dihya face à Héraclius, d'autres ils parlent de Adi ibn Hatim, mais peut-être qu'il y a eu deux rencontres et même d'autres rencontres au niveau de Rome, de certains musulmans au niveau de Rome. Sallallahu alayhi wa tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa naj'al dhalika fi mizan hasanatina inna wa ala dhalika qadir bi ijabati jadid subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.